5, 5, 6, 5, 6, 3. T'étais là depuis le début. 5, 6, 3. Imagine. Mais c'est trop bien comme mécanique de jeu. 5. Hein? C'est 5. Du coup, c'était. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. OMG. Je deviens Samuel. Oh putain, j'ai tout compris. Samuel, du coup. OMG. OMG, je suis le GOAT. Est-ce que lui, vu que c'est le GOAT, il peut entrer partout? Stratch. Bah, du coup, c'est Stratch qu'il faut écrire. Attends. Reset. Je peux pas reset. Ah, c'est bugué. Attends. Bugué. Non, mais c'est trop lourd. Cette mécanique est trop lourde. C'est trop lourde, la mécanique de pouvoir incarner d'autres gens avec le menu. Trop lourd. Que du coup, ils t'introduisent trop bien la mécanique. C'est Stratch? Pas Stratch? Attends. Attends, mais collecting data, ça veut dire qu'on va dans le labyrinthe. Et là, ils me disent quoi? Attends. Ah oui, c'est j'ai mis Stratch. Mais vous pensez que c'est que ça? Non, ça peut pas être que ça. Ce serait trop facile. Ouais, c'est pas ça. Ah mais merde, c'est bugué. Il y a un bug avec le... Tu sais, genre ça fait disparaître les touches. Merde. Ça fait disparaître tes touches. Attends, mais est-ce que tu peux brute force? Ce serait... En vrai, ce serait un peu... Il y a trop de combinaisons. Attends. C'est marrant, mais...
Yeri. Attends. Et... Maze. Donc en fait, ils te disent va au labyrinthe. Ça, c'est le Skull. Me dis pas que c'est ce que je pense. Il te dit va through the maze parce que c'est local directory, c'est dans ton PC à toi. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir le fichier du jeu et dans le labyrinthe à russe, il y aura le mot de passe. Ouah, c'est un malade mental, frère. Mais oui, c'est ça à 100%. Et du coup, ils te disent que l'objet il sort de l'écran parce que du coup, tu dois aller chercher sur ton jeu à toi. MDR, jamais de la vie. Tu sais que je pense que c'est ça. Je pense vraiment que c'est ça parce qu'ils font exprès de cacher les trois petits points parce que c'est ton nom de user sur ton PC. J'ai une théorie, c'est pas ça. Je teste. Je teste. Ça se trouve, c'est pas ça et je suis un malade mental, mais. Attends. Du coup, ce serait dans AppData pourcentage. Ce serait vraiment un truc de malade. Mais Common, oui, Common en plus, c'est le dossier Steam. Attends, faut que j'aille chercher dans les fichiers du jeu. Attends. Propriété. Parcourir. Ah! Oh, c'est du jamais vu! C'est le jeu de l'histoire! MDR! C'est dedans! Attendez, regardez, je vous screen. Oh, je vous screen, MDR! Putain, je l'ai trouvé vite! MDR! Regardez où est-ce que c'est? Hop, hop, hop. Attends, je vais vous montrer. Oh la folie, frère! Oh la folie! C'est dans le jeu! Incroyable! Du coup, attends, je vais vous dire ce qu'il y a dans mon fichier. En fait, ce qui m'a, comment dire, dit que ça devait être ça, c'est le fait qu'ils aient mis trois petits points. Ça voulait vraiment dire que c'est un truc de ton PC à toi, parce que sinon ils auraient montré un chemin totalement clair. C'est logique. Labyrinthe. Et du coup, oh la folie. Attends, mais en fait, j'aimerais bien vous screen ça, mais il y a tout sur mon PC. Bah, du coup, attendez, je peux vous faire ça, je pense. Regardez. En fait, regardez comment c'est trop bien fait. En fait, il y a des dossiers crève, Stratch et Stratch, qui te donnent l'ordre qu'il faut faire. Regardez. Et du coup, tu dois faire crève. Crève, crève, stretch. Et du coup, il y a ça. Oh la folie. Oh le jeu de malade. Et du coup, ah non, non, j'ai pas fait le bon truc. C'est stretch. C'est crève, stretch, stretch, stretch. Ouais, c'est pas celui-là. C'est crève, stretch, stretch, stretch. Voilà. Et du coup, il y a un point exé. Hop. Attends, il y a un point exé, mais attends, ça fait. Est-ce que vous pouvez le voir, le point exé? Oh merde, il s'affiche pas sur mon. Oh merde, il s'affiche pas sur mon stream. Ah, c'est bon.
Ça, c'est le point exé. MDR, qu'est-ce que c'est que cette malade? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et du coup, attends, quoi? N, est-ce que ça veut dire que il y a un N dans le mot de passe, mais que c'est pas au bon endroit? Ou est-ce que ça veut dire que toutes les lettres qui s'allument en orange, ça compose notre mot de passe? Et ça veut dire que on doit... Ça doit être ça. En fait, ça veut dire que toutes les lettres en orange... Oui, c'est ça, en fait, c'est un motus. C'est vraiment ça. En fait, toutes les lettres en orange, ça veut dire... I, il y a un I. Merde. Il y a un M. Il y a un N. Il y a un R. Il y a un U. Or. Ok. CPN. CPN. U R C P N U R M I je sais pas frère, c'est un mot anglais, c'est perdu. Wow. Est-ce que c'est de la triche si je mets le mot dans un logiciel d'anagramme? C'est C-I-M-N-T-R-U. Ouais, c'est de la triche. Ok. En fait, je suis en mode... Ouais, c'est vrai que j'aurais bien vu... En fait, il n'y a aucun truc qui transforme en vert. Donc vu qu'il n'y a aucun truc qui transforme en vert, c'est... Bah après, techniquement, j'ai un PC dans les mains, quoi, en termes de RP. Attends, je réfléchis. Parce qu'en fait, c'est forcément ça. Là, on exécute le point exe, on doit chercher le mot de passe, et c'est le mot de passe qu'on doit écrire ensuite dans le jeu. Mais le truc qui m'étonne, c'est que normalement, le exe, il est censé te dire si t'as bien trouvé. Oh, c'est en vert maintenant. Je comprends pas pourquoi des fois c'est en vert. Ah, mais j'ai compris. Le orange te donne toutes les lettres possibles. Le vert te donne quand c'est bien placé. J'ai compris. Du coup, c'est motus. Ok. Du coup, R en premier. Donc, R en premier, on peut choisir entre C, P, N. C'est un R, donc normalement, il y a une voyelle après, donc c'est U. R. Après, c'est U, non? Pas U. Ça peut être N. Non, c'est pas N. Ça peut être I. C'est I, bien évidemment. Ensuite, ça peut être N. Oui. U, du coup. Non. Double N. Non. Il y a C-P-N-U-R-M-I. Il y a que... En fait... M. Non. C. Rinci. Et... Principi. Je connais même pas le mot, frère. Principi. P. C. P. N. R. Non. U.
Principio. Me dis pas que c'est un mot en portugais. Principium en latin. Principium. Magnifique. Le jeu du siècle. C'est le jeu du siècle. Putain, c'est trop bien fait. Principium. Bien évidemment que c'est Principium. Oh, elle était tellement bien, l'énigme. Incroyable. Alors. Principium. It worked, but incroyable. What is that all about? Je vais vous dire un truc, vous allez peut-être me taxer de toxique. C'était l'énigme du siècle parce qu'on réfléchissait tous dans le chat et personne n'était tilté. Dans deux semaines, quand les gens connaîtront, si les gens connaissent le jeu, tout le monde aurait été en mode « Mais comment ça se fait que le streamer trouve pas tout de suite ?» Alors que l'énigme est trop dure. Alors que l'énigme est trop dure, frère. Je te jure, c'est tellement dur. Parce que du coup, tu dois tâtonner, quoi. Et vous verrez, dans deux semaines, les gens seront en mode bah « Attends, mais comment ça se fait que t'as pas trouvé tout de suite, en fait ?» Mais par contre, je trouve que si t'es pas un peu habitué des PC et tout, ou si t'es pas un peu habitué des jeux d'énigmes, c'est impossible. En fait, tu passes deux semaines, quoi. Parce que du coup, j'ai fait des études dans ça, donc j'ai un peu l'habitude. Et quand j'ai vu le chemin des dossiers, je me dis « C'est ça ?» Et putain... Si t'es pas dev ou si t'as jamais un peu bidouillé les ordi, j'envoie Principium à Selbit pour flex. Hop là. En full flexing. En majuscule. Pour qu'ils comprennent bien. Pour qu'ils comprennent bien à qui il a affaire. Hein. Du coup, ouais. Attends, mais... J'ai pas vu ce que ça m'a débloqué. Et du coup, ça m'a débloqué ça. Est-ce qu'il faut que je le note? Ou est-ce que... Oh, je vois pas ce que ça peut me faire. Je devrais peut-être le noter, quoi. Ça dit « Go through the maze ». Faut que je le note, je pense. Faut que je le note ou il faut... Ouais, faut que je screen. Principium. Attends, je vais prendre une photo avec mon tel parce que si je veux screen, c'est chiant vu que je suis en full screen. C'est plus facile. Est-ce que... Ouais, par contre, il n'y a pas un monde où avec l'exé, je peux décoder? Attends. Non, je peux pas. Je peux pas décoder avec l'exé. En fait, ça me change rien. En fait, c'est en gros, regardez l'exé. En fait, l'exé me permet juste de trouver Principium, mais ne me permet pas de décoder des choses. Ah, mais si! Mais en fait, si. En fait, si, l'exé peut me donner l'alphabet. Bah, si. En fait, l'exé me donne l'alphabet. Parce qu'en fait, ça me donne le... Bah, si. Ah, bah, oui. Oh, putain, vas-y, frère. C'est quoi ce jeu de malade mental? Faut être malade, frère. Faut être complètement malade. Ok, bah, attends, je vais dans mes notes. Ça veut dire qu'il faut que je décode. Oh là là. Donc, ça veut dire qu'il faut que je décode. Il y a 40 lettres à décoder. Oh. Tu m'étonnes, frère, qui pétait son crâne dans tous les châteaux de QSMP, c'est le beat pour faire des énigmes. Complètement malade, ce mec. Complètement malade. Et je le dis. Il est complètement fou. Alors... bah attends.
Attends. Hop. 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 On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Mais il faut que... Du coup, on va faire le paint. On va faire le paint. Hop. Parfait. C'est parfait. Copier. Attends. Je fais ça. On est d'accord que tout est extrêmement clair. On va devoir décoder ça. On va devoir décoder ça. Et pour décoder ça, on va devoir aller partout dans l'alphabet. Hop là, attends. Excusez-moi, il va y avoir une flashbang avec le paint. Désolé pour la flashbang qui va arriver. Flashbang. Hop là. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Et... Hop, et il est où le... Et le point exé? Point exé, il est là. Hop là, première 1, 2. Hop, hop, hop. Ok. Oh, ça va, le jeu te donne pas envie d'être complètement fou. Bon, pff, non, mais en vrai, c'est fine. Genre, c'est fine, le jeu ne te donne pas envie de sauter du 10e étage. Genre, tout va bien. Ça. Ok. Alors, si je regarde. Attends. Du coup, ça veut dire que ça. Ça, on peut savoir à quoi ça correspond. Donc ça, c'est R. Le truc un peu bizarre, c'est R. Du coup, il faut que je réécrive Principium pour voir à quoi correspond quoi. Et... Mais est-ce qu'il y a tous les sigles? Parce que ça se trouve, il n'y a pas tous les sigles. Et ça se trouve, on peut pas décomposer. Tu vois, est-ce qu'il y est le premier? Bah, tu vois, il n'y est pas. Je pense qu'on peut pas décomposer. En fait, je crois qu'on peut pas décomposer. Pour l'instant, on n'a pas les outils. On n'a pas les outils pour aller là. Je pense que... On n'a pas les outils. Pour l'instant, ça, on peut pas le... Ouais, il n'y a pas tout. Et... C'est pas possible. Il n'y a pas tout, mais avec des trous. Je pense pas qu'on brute force si on fait ça. En fait, j'arrive même pas à reconnaître un sigle. J'arrive même pas à reconnaître un sigle qui est dans le truc. Et genre il y en a même pas un. Même pas reconnaître un sigle, frère. Oh merde. Regardez. Regardez, est-ce que t'arrives à reconnaître un sigle? Je zoome. Et genre parmi ça.
Tu vois, genre, je. J'arrive pas à. Celle-là, ouais, tu vois, j'arrive même pas à faire. J'ai l'impression que c'est un autre. Ah, vu? Ah ouais? Ah, j'ai pas vu. Lequel? Le C? Le C? D'où le C? Ah oui! Oh putain, on est parti. We're so back. Ah, vous avez raison, bien vu. We're so back. Regarde ce qu'on va faire. On va partir du principe que tout c'est des x, 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 x. Ensuite, x, 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 x. X, 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 X. Là, tout le monde est d'accord. Peut-être pas assez grand. Attends, attends, c'est pas assez grand. C'est pas assez grand. J'ai pas une autre. Je peux pas faire une autre page là. Oh merde. Attends, je peux pas faire une autre page. Après, ça va. Putain, je pourrais mettre l'image dans Paint. Attends, vas-y. C'est un bordel organisé. Du coup, on a vu que le C, c'était l'espèce de truc. Où est-ce que je peux avoir un C? Où est-ce que je peux avoir un C? Non, attends, je suis pas organisé, ça me casse les couilles. Organisé. Attends, c'est dommage que je sois pas organisé parce que normalement c'est ma plus grosse qualité l'organisation. Putain, mais je peux pas avoir un Word parce qu'en fait Paint ça pue sa grand-mère. Vas-y, je supprime tout et de toute façon, la seule chose que je dois me souvenir dans ce truc c'est 421. Donc tout va bien. Oh merde, j'ai supprimé alors qu'il y avait d'autres trucs importants. Bon, c'est pas grave. Ok. 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 Donc. Là. Flashbang. On est d'accord que ça fait. Hop. On va le mettre en plus gros. Ça fait XXX OK. On est d'accord que le C, c'est ça, c'est C. C'est. Est-ce qu'on revoit un C quelque part? On revoit pas de C. Dire que dans toute la phrase, il y a qu'un seul C. Ah oui, troisième ligne, non, troisième ligne. Le C. Attends, mais non. Ah, c'est un. Non, un C. Un C, ça? Ah non. Troisième ligne, quatrième lettre? Non, 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 c'est pas un C. Ah, c'est pas un C. Non, c'est un autre. Du coup, tu... On confond, là. Ouais, c'est ça, c'est un N. Non, c'est un... C'est un... Attends.
Attends, mais c'est quelle lettre ça? Parce que regarde, en fait ça met 7 lettres, mais je pointe sur rien. Donc c'est un bug. En fait ça met 7 lettres, mais je pointe sur rien. Du coup, c'est dire que c'est quelle lettre? C'est un bug, je pense. Ça doit correspondre à aucune lettre. En fait, je peux. Si j'over tout. Moi, genre, si j'over rien. C'est peut-être espace? Tu vois? Bah, tu vois, c'est. Le P, c'est ça. Attends. Bah, tu vois, il n'y a pas de. C'est le I. Ouais, il n'y a pas. Ouais, on voit les espaces. En fait, on peut pas savoir. Ah, mais c'est le M! Mais c'est le M. Juste le M, en fait. C'était bugué. C'est le M. C'est le M. Alors ça, c'est le M. Et le M, on le voit où? On le voit... troisième ligne, quatrième lettre, du coup, c'est ça. Donc ça, c'est le M. Ça, c'est le M. Ça, après, c'est un I, ça. Ouais, ça, c'est un I. Ça, c'est un I, on commence à reconnaître. Le N, c'est quoi? Ça, c'est un N. Donc ça, c'est un N. IN. Min. Ensuite, wow, ça fait mal au crâne, frère. Est-ce qu'on a ça? On a ça, hein? On est d'accord que c'est la troisième ligne avant-dernier, non? Ça ressemble quand même beaucoup, hein. Ça ressemble quand même beaucoup à un R, hein. Ça ressemble beaucoup à un R. Troisième lettre de la troisième ligne. Vous avez tout à fait raison. Carmine? Blue? La Carmine Corp? La Carmine Corp. Okay. Hermine. Enfin, de toute façon, en fait, on garde ça pour l'instant, mais en fait, on pourra pas, entre guillemets, déchiffrer tout. Ça, c'est un N. Ça, c'est un N. Il y a deux fois la même lettre là. Et il n'y a pas de Y bizarre. Il n'y est pas, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de P. Il n'y a pas de P. Ok, bon, vas-y, on aura ça pour l'instant. On a ça pour l'instant. Wow, c'est tellement stylé. Hop les. Ok. Bon là on a ça pour l'instant, je pense que c'est pas... J'ai l'impression que c'est des énigmes qui sont entre guillemets optionnelles. Parce que ça me semblerait trop bizarre que pour faire le jeu, pour comment dire, faire l'histoire principale, tu dois faire un truc aussi dur. Je suis peut-être délu, mais... En plus, tu peux rien ouvrir avec lui. Hey, yo, Agatha, have you talked to Mia about those weird items? Ouais. Yeah, if she finds any more of these cursed items around, she'll bring them here for us to analyze. Sweet. So let's try and keep it organized, alright? You can put all these items there together with the first one we found. And let me organize it myself, because if it were up to you, we'd be lost. Okay.
Il aura plus tard pas de backseat. Ouais, en fait, là, c'était bon, Choco. Parce que, en vrai, c'est. On réfléchit ensemble parce que personne connaît le jeu, du coup, c'est cool. You just don't understand my methods. Fine. Just don't mess with my PC, okay? Don't mess with because my PC. I think I'll have to use it to sort this thing out. Terminal Link items. Listen up. I found a list of these cursed items on one of the old computers here. It seems that one of the Order's agents was investigating them too. There isn't much information about them. Ah, le travail des gens qui ont doublé. Ah non, non, mais c'est... Alors, je sais pas, ta faute, je peux pas savoir. Peut-être pas. Mais, putain, par contre, le travail, ça doit être tellement long de doubler. Tu dois dire tellement de phrases. Je jure. Ok. Ok. So when Mia finds these other items and brings them here, I think we're gonna have to use it to understand these things. This isn't gonna mess with my PC, is it? Of course not. But I think that's it. It seems that these items emit some kind of encrypted signal that I can try to decrypt. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura un objet curse, on va avoir une énigme comme ça, du coup. I have no idea what those words you just made up are, but cursed items can usually hide things inside them. There must be some way of accessing what's in them with an answer or a password. That's literally what I said. Then talk like a human being for once. Donc ça veut dire, les amis, ça va être ça, OMG, on va avoir les autres lettres en faisant les autres trucs et du coup on aura tout l'alphabet à la fin. Oh là là. J'ai envie de brute force et juste aller dans le... J'ai envie de brute force et juste aller dans le dossier et ouvrir tous les dossiers, frère. En m'en battant les couilles. En mode j'ai juste envie d'y aller et bon je peux pas le faire parce que c'est nul. Hey yo Agatha, I put a deciphered code into the computer ouais, and I ça. Think it worked somehow because it glitched everything and something bizarre came up. Shit, like what? I don't know, I couldn't see it properly. It seemed to be voilà le texte, text ok on l'a vu. Please tell me you wrote it down. Oui. Of course not. It went off too quickly. Ah bah moi je l'ai noté. Holy shit, Samuel, you're so fucking dumb. Oh, I'm the dumb one. You look on the internet for those ending explained videos of literally every single movie you ever watch, and I'm the dumb one. Oh, ça m'est bien. What's that have to do with anything? And I like to hear second opinions. Anyway, try to crack the codes of the other items later voilà, too. Voilà, d'accord. They're probably connected somehow. Voilà. Yeah, I'll give it a try. Ok. Ah, c'est bien, ok, bon, on a compris. On a compris avant que... Ok, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que... À chaque fois qu'on va trouver un item curse, on va pouvoir incarner Samuel, j'imagine. Et là, c'était le premier. Parce que là, il n'y a qu'un item curse. Il n'y en a qu'un, il est là. Mais du coup, quand il y en aura un deuxième, ce sera la fête. Parce que j'ai l'impression que... Et c'est pour ça qu'en fait, on te demande de ramener les items à la base. En fait, on te demande de ramener les items à la base. Parce que du coup, quand tu ramènes les items, et bah tu reprends... Tu reprends Samuel, et tu décodes avec lui. Mais du coup, ouais, mais par contre, ouais, on a zéro avancé pour Mia, quoi. C'est-à-dire que, bah, bien joué, on a trouvé ça. Mais là, maintenant, force à nous. Force à nous. Maintenant, là, il faut réincarner Mia. Et c'est cool le fait que tu puisses juste faire ça pour aller plus vite. Hop. Je danse le Mia. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on n'a pas exploré? Est-ce qu'il faudrait pas retourner dans le... En fait, il faudrait retourner dans le souterrain, quoi. Mais le problème, c'est que si tu retournes dans le souterrain, bon...
c'est... En fait, ça fait chier, quoi. Je vois pas... Je vois pas de quoi tu parles dans la sortie souterraine. Oh. Bon, ça, on l'a vu. Ça, on a vu le Principium. Là, il y a des codes. 1 sur 2A. Identité remarquable, bravo à toi. Ah, mais c'est quand même marrant que... J'ai passé autant de temps sur QSMP à passer devant l'ordre de Cellbit et j'avais jamais compris que c'était une allusion à son jeu. J'avais jamais capté. Et... Frère, c'est vraiment ça, hein. La clim, hein. On était réellement en train de faire l'énigme du siècle et là maintenant on retourne sur Goliath de merde. Je te jure, on était en full caviar, on a fait la meilleure énigme de tous les temps et là on retourne avec ce vieux Goliath qui pue sa grand-mère. Sans aucun bonheur. Mais bon. Calme, hein. On aurait pu être heureux. Hein. Et ouais, frère, on pourrait jouer Samuel. On est des main Samu, nous. Ok, pas d'infos sur le code. Bah, vas-y, on va retourner dans le souterrain. Hein. On va retourner dans le souterrain, continuer d'explorer pour voir si on a des infos, mais bon. Merde, c'est pas là. C'est pas là. C'est la porte tout à droite. Oh merde. Où c'est ? Attends, mais tout à l'heure c'était pas. Tout à l'heure c'était pas. C'était pas barré tout à l'heure, non ? Peut-être complètement bourré. Ah, c'est ça, putain. Putain, elle rend complètement... T'as rend complètement fou. Et là, je suis remonté alors qu'il fallait pas remonter, mais... Le chargement de dingue. Ok. Et couvert de sang. Et allez le chien. Perdu. T'es où ? Mais faut trouver le code. Mais on sait pas où est le code. Le chien, des fois, il te permet de résoudre certaines énigmes. Il te permet des fois de passer dans des endroits où tu peux pas passer.
Mais là, il a pas... Ça fait longtemps qu'il sert pas à grand chose. Et la control room. Et... Le 4, on y est allé. Est-ce qu'on est allé derrière le générateur? Non, on n'y est pas allé parce qu'on n'avait pas accès. 7, on y est allé. 8, on y est allé. Est-ce que le 8, pour avoir accès au 11, on est allé? Est-ce que le 11, l'entrée du milieu? C'est trop dur. Explorer un autre endroit, mais vas-y. Tu es hardstock. Hardstock et hardstock plate. Oh. Non, je fais pas peur en vrai. L'ambiance est tendue, mais c'est pas un truc avec des jumpscares et tout quoi. Vas-y, je vais sortir les dehors. Sauf que j'ai rien d'autre à faire. Un vieux tout à l'heure a dit 12 heures normalement pour finir le jeu, donc 50 heures pour Rayo. Mais en vrai, vous parlez trop mal parce que là, je suis en train de faire une masterclass. En vrai, je suis en masterclass. Je te jure que je pense être rapide. Je pense que je suis même pas lent pour mon playstyle. Et vas-y, le truc c'est que vous jugez trop parce que ce qui s'est passé dans Outer Wilds, ça vous a trop mal, mais... Et je... Je suis vraiment en full masterclass. Hop. Hop les. Ça se perdu hein. Je suis en full tilt de... Oswald as a strange godor. Tiens, forcément un truc, mais en fait ça me semblerait bizarre qu'il faille aller hyper loin pour tuer Goliath. Je vais péter mon crâne. Me dis pas que c'est juste ça. Si c'est 1-0-1, je vais exploser mon écran. C'était juste ça et qu'en fait le code pour ouvrir la salle était devant mes yeux depuis le début. Attends, mais c'est... On est d'accord, c'est que 1-0-1. Ce serait pas très RP. 1-0-1-0. En fait, ce serait pas très RP de pas pouvoir enlever le...
vite en binaire. Un 0, je crois. 1 0 1 0. Combien 1 0 1 0 en binaire? Hop. Ah, en fait, c'est juste 10, je crois. Ah oui. Mais attends, ça peut pas être ça du coup. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de chiffre avant. C'est trop frustrant qu'on puisse pas voir. Ouais, c'est ça, c'est Underground Access. Oh, c'est trop frustrant qu'on puisse pas voir le code. Pas nettoyé. Parce que ouais, ça nous donnerait la solution quoi. Est-ce que si j'allume, je peux voir différemment et il n'y aura pas de sang? Vas-y. Attends, mais il n'y a pas un monde où le chien il peut le lécher? Et que ce serait tellement logique. Vraiment le banger. De la patte. Je peux pas interagir. Bon, FF. On va tester un 0-1-0 du coup. Est-ce qu'il y a un monde? Oh, si c'est 1-0-1-0, ce serait incroyable, ce serait trop facile. Juste trop facile. De toute façon, le seul moyen d'ouvrir la porte, c'est en activant tout le monde, donc... En fait, ça me semble bizarre qu'il y ait que 3 chiffres. À chaque fois, il y en a toujours eu 4. Mais je crois que ouais, tu peux pas. Il n'y a pas de 0. En fait, il n'y a pas de 0, donc ça se trouve. Ah, c'est perdu. Perpetual Engine. Ouais, c'est ça. En fait, là, c'est le Perpetual Engine. Ouais, j'ai pas trop utilisé le chien. C'est vrai. Mais là, là, je suis en total bug là. Je suis en total bug, je sais pas du tout. Ok, les cristaux de merde, Goliath va spawn. Et là, bah tu vois, c'est le même. Et du coup, c'est... Bah tu vois, c'est tard. Trop bizarre. Trop bizarre.
Ça peut être que un. Ouais. C'est trop bizarre. Aïe. Non, on peut pas enlever la souris, je suis désolé. Je sais pas. Pas de... Je sais pas. Je suis hard stuck. Je suis littéralement hard stuck. Je... Ce que j'espère, c'est que Foolish a pas plus avancé dans le jeu que moi. Je suis giga hard stuck. J'avais fait. Alan, we need to move forward with our research into the crystals of the cave. We've been in the dark about it. Ça, je l'avais fait. Faut que je retourne en haut. Ça. Pas là, you send me as well. Oh, c'est pas là pour the missing piece to find out the giant. The final energy what to demand an event. We need you to your part. If you perfect on gen, if any will help you. My finding is the way if you want the generator mug. Ça, j'avais compris. En fait, j'ai vraiment l'impression que les trucs que tu lis avec la lumière violette là, c'est. Quelqu'un qui l'a écrit dans une autre dimension. En mode, il est dans une autre dimension et toi, tu peux lire ce qu'il a écrit dans la dimension d'après. Et non, il n'y a pas la radio indice. Il n'y a pas de radio indice là. Ouais, elle fonctionne pas. Elle fonctionne tellement. Énergie contrôle. Là, ça va rien nous apporter. À nous apporter Sam, parce qu'on sait du coup. En fait, on a compris ça. Ouais, ça, on a compris. That must be if the agents had a system for turning the power on and off in these. Ouais, c'est ça. If I were really, you might. That's great. If you keep making. Ok, ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai, ouais, il est nul, quoi. Lundi, c'est nul. Hey, Sam. L'énergie limite, du coup, on a compris. This c'est kind of mechanism has already been used. It works like power can only reach a specific area. Ouais, c'est ça. Et c'est sûr, connecté. En fait, on a. Ça qui est fréquent, c'est que j'ai quasiment. En fait, j'ai l'impression d'avoir toutes les infos de la salle. Sauf celle qui me dit comment trouver le code pour ouvrir. J'ai toutes les infos sauf comment elle est là. Bon, juste le code. Est-ce que je brute forcerais pas? De toute façon, il y a. En fait, si j'essaye pendant 10 000 trucs, c'est bon, non? J'essaye pendant 10 000 trucs, ça devrait être bon. Faut que je prenne un truc à manger. Pour trouver. C'est tout ce qu'il me faut. C'est tout ce qui me manque.
En fait, il est tard, je devrais m'arrêter, mais j'ai pas envie de m'arrêter, en fait. Le problème, il est là. C'est qu'il est tard. Demain, j'ai le truc de Niski. Enfin, j'ai le truc de Niski. Là, je devrais aller dormir. Mais le truc, c'est que je vais pas aller dormir. En fait, c'est ça. Et je vais pas aller dormir. En fait, je veux au moins tuer Goliath. Mais je pense vraiment que... Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre, en fait, où est-ce que... Parce que déjà, j'arrive pas à me dire qu'il faut que ça soit à l'extérieur. En fait, Ouais, non, mais de toute façon, je dois forcément bouger, en fait. Je dois forcément bouger. Genre, il y a forcément... Je peux pas trouver, là. En fait, je peux pas trouver la solution ici, mais... Capte pas, en fait. Si tu es Goliath, je pense que c'est l'ultimate goal du jeu. T'es pas rendu, mais je pense pas que ce soit le goal du jeu. En fait, tu es Goliath, pour moi ça doit juste débloquer des trucs, mais... Le chien, il te permet d'avoir accès à des endroits où t'es pas censé avoir accès. Spawn là le bouffon ? Bah c'est ça, c'est le God of Fear, le goal du jeu, donc... Je sais pas, je comprends pas. Perpetual Engine Room. Door can only be opened through the control room. Oh mais putain! Attends, mais ça c'est huge par contre. Attends, mais ça c'est huge parce que ça j'ai jamais... C'est vrai que j'ai jamais pensé au fait d'aller à gauche. Attends, attends. Vas-y, tue-moi, bouffon, tue-moi. Comme ça, je respawn à la contre l'homme. Tue-moi. Merci. Je pense que les meilleurs te tuent aux 12 coups de midi, ils me laissent inanimé dans une ruelle. Je pense que... Un 1v1 contre Emilien aux 12 coups de midi, ça me ferait plus de dégâts que ce qu'une maladie chronique m'a fait en 11 ans. Non, sincèrement. Et donc ça c'est locked. Comment je peux le dé... Ça va, vous ? Oh, ça va. J'ai envie de hurler. Je veux juste voir où est-ce que c'est, du coup. Est-ce que la Perpetual Room, elle est... Techniquement... En fait, je me souviens plus où c'est. Je vais essayer de tâtonner et la trouver. En fait, elle est pas notée dans le chat. J'avais pensé, je croyais que t'avais déjà essayé. J'ai pas essayé. En fait, je me suis pas. En gros, vu que je ne savais pas ce qu'était la Perpetual Room, je me disais, bon, je m'en fous un peu. Alors qu'en fait, bah, ça avait l'air. Maintenant, faut la retrouver. Hein. Maintenant, faut la retrouver. J'ai aucune idée d'où elle est. Ok, ça m'a pas l'air d'être là. Ça a l'air d'être plus en haut. Déjà allé au Japon en vrai, jamais allé au Japon, j'aimerais bien y aller en vrai.
J'aimerais vraiment bien y aller. Je pense que ce serait l'un de mes prochains voyages. J'aimerais bien faire. J'aimerais bien faire du contenu là-bas autour de Smash. Mais le truc, c'est que... en fait, j'aimerais bien aller au Japon dans un timing où le prochain Smash sortira. La perturbation du room, elle doit être juste à côté, en fait. Ah là. Ah c'est là. Oh non c'est pas là. Oh les choux. Bah tout simplement à côté du 1. Après, je pourrais juste aller dans le 1 et voir le plan. Hein. Je peux avoir la map en faisant. Ah non, je peux pas avoir la map. Et je pense que c'est un qui doit pas être débloqué après dans le jeu. Hop. OMG. OMG. Vu que je prends une réalité, je crois que le jeu au niveau 9 les 70. Non, mais par contre, c'est un truc de fou comment ça me fait penser à Outer Wilds. Il faut une source infinie d'électricité, sinon c'est la merde. Has to be a way to the prophecy, we are so close, there must be a way. Only the god fear can prevent another ending. Et... source d'électricité. Interact. Pas interact. It seems that some people have gone trying to sabotage the other ending. And then change the password for the containment zone. The source of the in on the wall of the emergency room. Oh putain. Oh putain. Donc ça veut dire que la containment zone elle est à la toute fin et ça veut dire qu'il faut que j'aille à l'emergency room pour avoir le code. Donc ça veut dire que le code ça va être une note dans une matrice. Ok. Où est l'emergency room? Containment zone, how to entrap, voilà. Putain, mais on a tout compris! On a tout compris, mais on est resté stuck pendant un siècle. Must exit in time, voilà, c'est ça. Have to teleport outside. Question machine, je boîte de gravier radio to stay. Has to break on the backpack, ok. Ok. C'est bien ce qu'on pense, quoi. Le supply. C'est qu'en fait. C'est exactement ce qu'on pense. C'est bien la containment zone et il faut trouver le code. Et le code, il est dans l'emergency room. Et du coup, l'emergency room, il faut qu'on voit où elle est. Et pour qu'on voit où elle est, il faut qu'on aille dans la salle 1 pour avoir la map. Ah c'est bien. Et 2. Là on est d'accord que ça sera toujours bloqué là. Ça sera toujours bloqué de toute façon. Et à gauche. Ok. Où est l'emergency room? L'emergency room, elle est entre... elle est au 6. Elle est au 6. Donc t'es en train de me dire que je suis passé
Et c'est pour ça, ils sont malins. En vrai, c'est très malin en termes de game design. Le 6, c'est là où il y a le mob. Du coup, vu qu'il y a le mob, tu vas jamais rester longtemps dans la salle. Putain, c'est pour ça... C'est pour ça qu'il y a cette salle. Parce que du coup, le 6, tu vas jamais rester longtemps dans la salle parce que tu te fais chase par le mob. Du coup, bah... Il faut... Ok, bah, on aura la solution au 6. Ah, c'est bien fait, ça, ouais. Ça, c'est un bon truc de game design. C'est un truc qui est grave utilisé dans Outer Wilds aussi. Je trouve que c'est une trop bonne mécanique parce que du coup ça fait que tu vas aller dans la salle que vraiment si tu sais que tu vas aller dans la salle, pas que tu vas aller dans la salle, c'est là. Ok, je vais être à gauche. Un peu loin. Vas-y, pas cachou. C'est au 6. Là, on est combien quand on arrive de la Supply Room? Il y en a au 4. Non, je peux pas le tuer, lui. Je pense que je devrais aller sneaky. Je devrais juste, ouais, je devrais juste crouch. Mais c'est pushy. Vas-y, pour vrai. Ah, il a spawn, merde. Pas de break, il est passé. Non, tu peux pas envoyer le chien pour scooter, t'imagines, genre c'est... c'est ton drone de reconnaissance. C'est ton drone de reconnaissance, genre tu l'envoies. Ouais, en fait il faut couper la lumière. Oh, mais tu peux pas couper la lumière, je crois. Le drone de Sova. Ouais, mais en fait, je veux juste nick, hein. Et du coup, ils ont dit sur les murs de l'Emergency Room, en fait. Mais... L'Emergency Room, elle est pas énorme. C'est ouf qu'on n'arrive pas à trouver. Là, je peux enlever. Oh putain, ouais, Shima. Ma spot est tellement loin. Là-haut est tellement grand. Attends, mais on est bien d'accord, il a dit dans le mur. It seems that some people have been caught sabotage, d'accord. D'accord. Oswald wrote it on the wall of the emergency room. S'ils te disent don't forget, it will be useful. Ça veut dire qu'il y a des dessins et en fonction du placement, tu sais quel chiffre ça va être. Oh. Ouais, ça va être lumière bleue de toute façon. En fait, on va forcément le voir à la lumière bleue. Ouais, on l'a utilisé avec les cases rouges. C'était au basement.
Merde, je suis au 9, je suis pas au bon endroit, c'est le 6. Je me dis, est-ce que c'est pas dans le... Ils disent dans les murs, mais... Wesh, la reine, je suis cru. Je me prends ça. Voilà, reine. C'est une folie. Ouais, faut être patient, mais... En fait... J'ai envie de me dire que ouais, il y a un L sur le mur. Et est-ce que le L sur le mur voudrait dire que le mot de passe c'est 2589? Mais ce serait un peu... J'ai envie de tenter 2589, tu vois. Mais ce serait un peu tiré par les cheveux, j'ai l'impression. En fait, je me dis que c'est un peu tiré par les cheveux, mais... Ah oui, non, mais en fait, je suis con, j'ai dit 2589, mais en vrai, c'est un 478. En fait, je pensais que le L était au milieu, mais si c'est le L, c'est un 478. Mais, vas-y, hein. On va aller à l'emergency, enfin, on va aller à la control room et on va tenter un 478, hein. En vrai, un 478, ça me semblerait logique, mais un peu tiré par les cheveux. Mais ce serait logique parce que du coup, on a vu un L et c'est la seule chose qu'on a vu dans le truc. Vas-y. Vas-y, on va le faire spawn. De toute façon, on peut aller directement au 11 parce qu'on peut pas, on ne peut pas aller au 11. Enfin, on ne peut pas activer la salle, la dernière salle, sans que les lumières soient allumées. Du coup, même s'il spawn pas direct, le mob. Spawn là normalement. Dis-moi que c'est un 478. FF. Je tente tous les L. Bon bah faut retourner dans la salle hein. Tenter tous les L possibles frère. Un 4 7 8 9 ça passe pas. 2 5 8 9 ça passe pas. Inversé ça passe pas. 1 4 7 ça passe pas. Stylé. Et tu mords. C'est forcément 4 chiffres, je pense. Je pense que c'est forcément 4 chiffres. Après, c'est mieux de spawn là. Hein, parce que du coup, ça veut dire que je suis juste à côté de la 6. Je sais que c'est mieux d'être ici en vrai. C'est un bon respawn. Ok.
Oh mais sale merde. Merci beaucoup. Non mais je pense qu'il est tuable. Mais du coup, si je veux savoir comment le tuer, faut que j'aille demander à Agatha, parce que c'est Agatha, genre, elle te donne les infos sur les mobs. Du coup, c'est ça le tutoriel du jeu, quoi. C'est tu poses des questions à Agatha et Samuel, mais j'ai trop la flemme. Pour la flemme de retourner jusqu'à la salle, le Zinx, ta mère. Attends, mais le chien, il peut pas m'aider à scout? Parce qu'en fait, j'ai vanné tout à l'heure le viewer qui m'a dit ça. Merci Orion. Je peux pas avoir accès à la radio. Ah si, j'ai la radio dans la contrôle room. Bah, je peux pas avancer, putain, il se chie dessus, mon chien. Elle est inversée. Attends, mais il y a un giga L inversé là. Un giga L inversé, frère. Il y a un giga L inversé. Il y a un giga L inversé. Il y a un L inversé. Et c'est vraiment à... Moi j'ai vu un carré. Et tu penses que le carré ça voudrait dire que c'est A, pap? Et du coup dans quel sens tu fais le carré? En fait dans quel sens tu fais le carré? Alors vas-y, je vais essayer de faire le carré, je vais essayer de faire le L inversé. Vous savez les amis, j'ai les larmes aux yeux hein, parce que je me dis que ce stream exceptionnel qu'on est en train de faire où on est juste en train de réfléchir ensemble et d'être heureux, on aurait pu le faire sur Outer Wilds, le jeu du siècle. On aurait pu le faire sur Outer Wilds, le jeu du siècle, c'est toi Nekbo. Vous avez vu, c'est trop bizarre. Là, il y a personne qui s'énerve. Genre là, il y a personne qui est en mode mais c'est bizarre, ils trouvent pas tout de suite. Genre là, tout le monde est tout doux. Genre tout le monde est en mode ah oh ben ouais putain c'est vrai ça peut peut-être être ça mais ça doit pas être ça mais c'est peut-être ça. Ah c'est bizarre. Genre c'est quand même très... Mais après on m'a dit que j'étais de mauvaise foi et qu'en vrai ça avait rien à voir avec ça. Mais bon, sûrement moi qui est de mauvaise foi. Non c'est pas la faute d'Augustin en vrai. En vrai c'est pas de sa faute. C'est juste parce que le jeu est tellement bien, il y a eu des milliards de gens qui l'ont fait. Et j'aurais dû le faire le premier jour. Et du coup si je fais là... Ok, je fais L inversé carré. L inversé carré. Merde. Oh, je sais pas combien de chiffres c'est en fait. Est-ce que c'est que 4 chiffres? En fait, tu peux pas savoir combien de chiffres c'est. Tu vois, ça peut être tellement de chiffres différents. Est-ce que c'est pas full carré? Oh, c'est trop dur. Ça m'a... Tu sais que ça m'avait vraiment l'air de pouvoir faire ça. Hein. Parce qu'en fait, il y avait L. Ça. Peut-être ça. En fait, c'est l'ordre qui est important, quoi.
ils ont vraiment dit. Attends, vas-y, tue-moi. Tue-moi! Non mais la team. Non mais putain, non mais si, non mais je sais. Je sais. Et en plus je viens de lire dans le chat donc on est d'accord. Je sais. J'allume la 6. J'allume la 6 parce qu'à 100%, lorsque je vais allumer la 6, ça va me faire voir les murs différemment et je vais voir un autre truc. Et on va voir le code avec les cristaux. À 100%. C'est à 100% ça. Regarde, là j'entre. FF. Ah non, mais faut que j'allume la 6. Non, attends, j'ai pas allumé la 6. J'ai pas allumé la 6. Mais j'allume la 6, tu vois que c'est prêt. Et c'est ça à 100%. Du coup, ça veut dire que je dois faire 2, 3... En fait, il faut que je fasse un circuit pour que la 6 soit alimentée. Du coup... 2, 3... Ok. Gagné. Et est-ce que j'ai un medkit ? Je me le mets. Pour tanker un max. Ok. Et là je fais ça. Ah, il me manque un dernier. Qu'est-ce qui me manque ? Pourquoi le... Non, y a pas de... En fait, la vie, tu le vois... Tonton, tu le vois si... si ton personnage, il a pris des coups avant. Mais sinon, tu t'as pas d'indication claire de ta vie. Pourquoi le 6 s'éteint ? Pourquoi le 6 s'éteint quand j'y vais ? Est-ce que c'est le mob qui fait que ça éteint le... C'est peut-être le mob, hein. C'est peut-être le mob qui le fait éteindre. Ah, c'est le mob. Ouais, regardez, c'est le mob. Incroyable. Faut tuer le mob. Agatha ! So, Agatha. Please tell me you're gonna talk about a creature you've just found. Yeah. Yes! Oh, my bad. Go on. So, there's a blood zombie voilà. Pierced by paranormal Suda. Crystals, and it looks like there's a green flashlight hanging from it. Eh? Hey, do you guys know if my socks are hanging from- Shut the fuck up, Samuel! I can't deal with your stupid jokes right now. So, the problem with this creature is yeah. Not that it's dangerous. It's the opposite. I can't even voilà. Reach it. Comment on fait? It's too fast, too sneaky. It seems to be more afraid than I am. Look, it's not that unusual for a blood zombie to merge with other things, especially if it's something paranormal. Is that flashlight on it important? That's what I want to find out. Another thing about this creature. Ugh. I holy shit, that's it. If the creature stinks, it'll make things easier if you have to go after it. Okay. Make the dog chase that shit. And don't forget that these things are dumb. If it keeps running away, just try to lure it into a dead end. Shut the fuck up, Sammy. Oh wait, that actually made sense. Le chien. Le chien. That's it, Mia. Since it's afraid, ah ouais. Use the butt's help to sniff it out and make this crystal zombie run into a dead end. Bah ouais. Putain, il sert à quelque chose. But
Please be careful. Ok, donc du coup, j'envoie le chien, je fais chase le truc, il va se retrouver dos à un endroit. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le chien, faut le faire... C'est pas le bon aussi, je crois que c'est celui-là. Hein. Je crois qu'on parle vraiment de celui-là. Après, on va vite s'en rendre compte. Ça se trouve, c'est pas celui-là et on changera, mais... Regarde. Et ça. Merde. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. FF. C'est pas celui-là, mais du coup, Agatha, elle va nous donner la solution pour l'autre. Et on le saura pour l'autre. Du coup, c'est Crystal Créature. Ou est-ce que c'est Paranormal Crystal? Ou est-ce que c'est Fast Créature? Hey, Agatha, I found another different blood zombie inside this cave. It makes a lot of noise when it finds me. But instead of attack, yes, and it's incredibly fast. It's ouais, hard non, as hell to aim at. With this creature on the loose, I think it might. Look, I'm not very good at thinking. Attends. Blood zombies are usually blind, but if this one could see you, try to lure him to a totally dark place where it'll be harder for him to see you. C'est pas celui-là. And then you get close without making. Blam! Ouais, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Agatha. This cave, some of them also give off a green. The order used to. Yep, but every. Attends, mais c'est. Mais c'est que, ça peut être que zombie crystal. It's hard. Could it make or make there's no in any. All right, I'm already. It's not me doing. I just point. Mais en fait, ça peut être lequel si c'est pas celui-là. Si c'est pas crystal quelque chose, so, c'était lui. Please tell me you're good. Yeah. Oh. So. C'est lui, hein. There's a. C'est vraiment lui. Shut the fuck. So. It's the op. It's too fast. Too. Look, it's not that unusual for a blood zombie. En fait, le truc c'est que j'ai peur. That's what I want to find out. Holy shit, that's it. If the creatures make the dog chase. Don't forget that these things are dumb. If it keeps running away, just try to lure it. Shut the fuck. Oh wait, that's it. Since it's afraid. Use the butt's help to sniff it out and make this crystal zombie run into a dead end. En fait, il est pas. En fait, le truc c'est qu'il est, il est pas effrayé. C'est pas celui-là, frère. Mais le truc c'est qu'il te donne pas d'infos. En fait, je pense que la radio te donne pas d'infos parce que je l'ai pas vu. C'est ça. C'est vraiment pas celui-là, je pense. Hein. Est-ce que j'y vais pas en mode nique sa mère? Sa mère. Prends même pas les balles. Attends, je peux l'armer, genre là. Attends. Ok, attends. Je fais ça. Est-ce que là, je peux pas allumer la salle maintenant? Ah si! Comment le tuer ce bâtard? Mais c'est pas normal en plus parce qu'on l'a fait sortir de la 6. Ouais, faut retenter le chien, je pense. Le chien, il a l'air un peu terrifié. Hein. Je peux pas. Je peux rien faire avec le chien. Il n'y a pas de. En fait, je peux pas aboyer. Mon rêve d'aboyer. Une game. Mais attends. Tu vois, il n'y a pas de.
Ouais, tu vois, il peut. Mon rêve. Vas-y. Allez, le chien! Je peux pas switch! Pourquoi je peux pas switch? Ah, super. Attends, si je fais ça. Ah merde, je préfère la range. Je peux pas switch. Bah ouais, il a peur le chien. Ah, il a peur. Oh, la victime. C'est le mec. Oh, la honte, putain, il... Bah, franchement, je le trouve pas ouf, ce chien, quand même. Le... T'imagines, il a peur d'un zombie qui hurle, enfin. Un peu cringe. Moi, j'aurais jamais peur d'un zombie qui hurle, personne le bon. Personnellement, je trouve même ça... Bon. Est-ce qu'un corbeau aurait peur de ça? Un corbeau aurait jamais eu peur, hein, mais bon, bref. Après, on va me dire que les chiens sont les meilleurs animaux, alors qu'un corbeau... Corbeau aurait eu aucun problème, mais bon, bref. Ouais, peut-être que je dois mettre la lumière bleue. Peut-être que c'est la blue. Attends. Cours! Oh, mais il se chie dessus, le frère. Vraiment un caillou, frère. Est-ce que c'est ma lampe? Bon, maintenant je vais éteindre la lampe. Et on va y aller sans lampe. Non mais vraiment, j'ai 0 DPS hein. Je me bats avec un cure-dent. Le problème. Je vais forcément devoir le tuer en fait. Genre je vais forcément devoir le tuer parce que... C'est pas normal qu'Agatha elle me donne pas l'info. Elle me donne pas l'info, Agatha, en fait. Genre, elle me dit pas... Non. Non, mais on a parlé à Agatha sur les deux mobs. En fait, on a fait toutes les boîtes de dialogue d'Agatha, mais je pense que le dialogue prend pas sur celui-là. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Je me dis que par derrière je peux le vite, tu vois. Magnifique. Ok, il faut éteindre la lumière, sneak et être sûr que t'es pas dans son radius.
Et parce que du coup, si t'étais dans son radius... En fait, c'était dans ton dans son radius, il te... Ok. Donc là... Merde. Et... Et... Un du coup. Ok. Et là, normalement... Je devrais avoir le code. Ça me semble logique. Elle. Ok, donc laquelle? Laquelle quoi? Est-ce que c'est un 70? Est-ce que c'est... En fait, déjà, il n'y a pas de zéro. Est-ce que c'est un chemin qui t'indique quel chiffre c'est? En fait, c'est ce plan, je pense. Je pense que c'est vraiment ce plan. Ils ont dit qu'il l'a écrit sur les murs. C'est ça, 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 ça. Les amis, est-ce que ce serait pas le chemin? Est-ce que ce serait pas le chemin? Donc ça veut dire que c'est 3, ensuite c'est 9, ensuite c'est 1, parce que du coup c'est un cercle complet, ensuite c'est... Ouais, ça doit être ça. Oh, je sais pas, frère, parce qu'en fait, non, on peut pas, parce que celui-là, en fait, on sait pas d'où on part. En fait, on sait pas d'où on part. Je sais pas ce que le carré ça peut être. Est-ce que c'est la croix? Enfin non, la croix te donne pas d'infos. C'est ouf que les trucs bleus te donnent pas d'infos. Enfin, la lumière bleue te donne pas d'infos. Peut-être qu'il faut que j'éteigne là. Ouais, tu vois. J'ai l'impression qu'en fait, ce qui se passe, ouais, il faut être... Attends. Non, ça peut pas être le nombre de côtés. Parce qu'en fait, tout à l'heure, lorsqu'on est allé dans la salle, ils ont dit, retiens bien le code de la matrice. En fait, la matrice, c'était 1, 2, 3, 4, enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regarde, en fait, c'était ça. En gros, tout à l'heure, flashbang. Attention, une flashbang, mais moi, ça m'a explosé les yeux. Flashbang. En gros, tout à l'heure, ils étaient en mode,
Retiens bien ça. Et c'était une matrice comme ça. Donc ça veut dire que techniquement, si on veut avoir accès au code, on pourrait se dire que le code c'est 14789 ou truc comme ça, mais c'était pas le cas. Donc ça peut être peut-être la signification d'un chemin en mode le L, c'est genre tu pars de là et t'arrives au 9. Le carré, tu pars de là et t'arrives au 1. Le L inversé, tu pars de là et t'arrives au 3. Peut-être ça, tu vois. Mais ça me semble un peu tiré par les cheveux. Du coup, techniquement, il y a un monde où ça peut être 3, 9. Ça peut être 3, 9, 1. 3, 9, 1, 6. En fait, ça peut être 3, 9, 1, 6. Ça peut être 1, 3, 5, 9 aussi. Genre, ça peut être trop de trucs différents. Est-ce que j'essaye tout et nique sa mère ? Je peux faire ça. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est ça la solution. C'est L inversé, L tout droit, carré, triangle comme ça. Mais... sinon, ouais, ça peut être les côtés de la matrice. Mais en fait, le problème, c'est que si c'est les côtés de la matrice, pourquoi il y a un carré ? Et carré, ça casse trop les couilles. Ouais, est-ce qu'il y a un truc derrière la caisse aussi ? Donc, il n'y a rien derrière la caisse. Hein. Pas regarder grand-chose derrière la caisse. Ah mais putain! Ben ouais, carré c'est au centre. Carré c'est au centre parce que du coup tu peux pas visualiser la matrice si c'est pas au centre. Du coup ça veut dire que c'est 3. Mais ça peut être quoi d'autre que 3, 9? En fait ça peut être quoi d'autre? Neuf, neuf, six, cinq, un. Je vous jure, c'est ça. Neuf, non, neuf, sept, cinq, un. Je vous jure, c'est neuf, sept, cinq, un. C'est les côtés de la matrice. Neuf, sept, cinq, un, c'est ça à 100%. C'est les côtés de la matrice, c'est neuf, sept, cinq, un. En fait, la matrice... regardez. En gros, le L, ça veut dire qu'on est dans ce côté-là. Le carré, ça veut dire qu'on est au centre. Là, on est dans ce côté-là. Ça va, je suis pas un malade mental. Mais j'ai compris. Du coup, c'est soit... ah non, ça peut être que 9751, du coup. Ça peut être que 9751, ça peut pas être... ou sinon, c'est l'endroit qui est là, et du coup, ça peut être l'inverse. Oh ouais. Je teste. Donc 9751 1359. Avec sa mère. Mon rêve. 3. J'ai du siècle par contre, hein. 2. Mais du coup, dur à faire en live, parce que à partir du moment où les gens vont comprendre,
Ça va être Outer Wilds tier. Mais au moins, je suis en avance. Du coup, je suis tranquille, c'est pas mon dos. Vous vous ferez backseat, les streamers. Broken de le faire day one. Le jeu est vraiment bien par contre, hein. Orvan, c'est son pote. C'est... Tu ressens qu'il y a une vraie recherche, hein. C'est grave satisfaisant. En fait, tu ressens l'inspiration Outer Wilds. Et surtout que là pour ceux qui sont arrivés, vous avez raté l'énigme du siècle. Les amis, il y avait une énigme où tu devais aller chercher dans les fichiers de ton PC. vous avez raté l'énigme du siècle tout à l'heure. On devait aller chercher dans le fichier de notre PC, j'ai pété mon crâne. Ça m'a rendu trop heureux. Oui, après on l'a pas fini. Alors c'était quoi? C'est... J'ai oublié. C'est 1359, c'était quoi le truc? Attends, j'ai pas noté. 9751, 1359. 9751. 1359. FF. FF. Hein, c'est un autre truc du coup. Mais je pense que c'est à peu près. Ouais, ça peut être 1593 aussi. Mais c'est à peu près le bon raisonnement. Et on avait pensé à quoi d'autre? C'est le premier, c'est un L. Le premier, c'est un L. En fait, est-ce que le carré... Ouais. C'est vrai qu'il y a un monde où il y en a 5, quoi. Mais faut que j'aille retourner... En fait, j'aille retourner voir la grille. J'aille retourner voir la grille parce que ça se trouve, c'est pas la bonne grille. Tue-moi, Goliath. Je note sur le paint. En fait, il faut que j'aille retourner la grille. Faut que j'aille retourner dans la grille. Après, mais c'est vrai que la caisse, elle cache un symbole. C'est vrai que la caisse... Oh merde, j'ai pas allumé. Attends, mais y'a pas un monde? Ça solutionne bien des choses. Oh, le jeu de malade mental. Ok, donc ça veut dire qu'il faut... Oh, il y a tellement de trucs à faire. Ok, donc... 1... 2... 3... 6... Ok. Et... Okay. Donc là... Ah ! Voilà ! C'est donc ça le problème. Ok, donc maintenant... Du coup c'est 1, 3... C'est... Trois, quatre, cinq, neuf, techniquement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un 3, 4, 5, 9. Ou 9, 7, 6, 5, 1. En fonction de l'ordre. Mais je note sur mon paint. 1, 3, 4, 5, 9. Ou 9, 7, 6. 5, 1. Est-ce qu'on est sûr?
Bah, ça va forcément être que ça, en fait. Ça va forcément être que ça. Team 97651 ? Moi, je suis plus dans la team 97651. Parce que je pars du principe que c'est plus logique si on est sur les côtés de la maîtrise. Si on n'est plus sur les côtés de la matrice. Mais... Attends, j'explique juste après. Parce que ça se trouve, c'est pas bon. Et du coup, ça sert à rien d'expliquer parce que ça se trouve, c'est pas bon. Mais en fait, c'est par rapport à une matrice. Il y a une matrice où, regarde, c'était marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et du coup, tu te dis que les signes qui sont à l'écran te montrent l'endroit du chiffre dans la matrice. En fait, c'est le... C'est ça, en fait, c'est les bords des cases. Genre 5, c'est au centre, parce que c'est comme ça. 4, bah, t'as pas de bord. C'est ce que dit Astrios, quoi. Ça me semble quand même un peu compliqué. Vous pensez qu'il... Vous pensez qu'il aurait fait un truc comme ça? Mais les gens, ils vont péter leur crâne, en vrai. Les énigmes sont un peu dures. Oh merde, la spawn. Ouais, désolé pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un peu... C'est un peu... rude. Ok. Et oh merde. Tu m'emmerdes. Attends, y'a un monde où je meurs pas. Hop. 1, 3, 4, 5, 9. Ah ouais, ça peut être tellement de trucs. Après, j'en ai noté que 2. Hein. 1, 3, 4, 5, 9, net est 6, 5, 1. En fait, j'aime trop les jeux d'énigmes. J'aime juste pas quand les gens ont déjà fait le jeu 30 fois avant et qui, du coup, me pressurisent à trouver en 4 secondes. Je pense que c'est ça. Ok, 1, 3, 4, 5, 9, 7, 9, 7, 6, 5, 1. Alors, 1, 3, 4, 5, 9. Merci à tous! Putain, j'étais dans la team 977. Voilà, et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et maintenant, ok, maintenant, j'ai compris. Maintenant, il faut ouvrir la pièce. Ok. Et maintenant, il faut ouvrir la pièce. Une fois qu'il est contenu dedans... Ok. Une fois qu'il est contenu dedans, maintenant, il faut ouvrir la pièce et il faut se barrer. Imperdable. Ok, là maintenant c'est imperdable. Là, maintenant je peux envoyer 1, 3, 4, 5, 9 à Cellbit. Hop là. Hop là. Hop là, juste c'est mon pense-bête, hein. Hop, 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 hop. Ouais, je vais tester 9765. Hein. Ce serait entre guillemets. Tu vas pas être impressionné, on a été slow. Je pense pas qu'on soit slow. Hein. Franchement, je pense pas être slow. Hein. Je suis pas slow. C'est.
C'est pas mal en vrai. Merde, j'ai pas allumé, je pense. Mais ouais, je pense que t'as bouffé trop de speedrun, hein. Parce qu'en vrai, pour quelqu'un qui a pas fait la démo et tout avant, je pense que je suis bien là. Est-ce que c'est bon? En fait, je réfléchis juste à qu'est-ce que je dois faire une fois que Goliath il est là. Hop là. C'est 6-5-1 du coup. Ah bah. Ok. Du coup ça ferme la porte. Ok. Ok, ça ferme la porte de faire ça. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Et du coup je meurs. C'est vraiment Outer Wilds, hein. Et du coup là c'est bon là. Et là c'est bon. Bah là techniquement c'est bon. Là en fait là techniquement c'est bon. Parce que tout là le pauvre est... C'est vrai que la manche j'avais fermé, c'était pas bon. Je regarde si je peux sortir mais... Est-ce que là c'est bon? Ah non ça va pas être bon. Ça va pas être bon. Ouais, not contained. Comment est-ce que je peux sortir? Il faudrait que lorsque Goliath entre, j'amorce le processus de fermer la porte et je me barre. Ça. Je peux pas switch avec le chien. En fait, le chien il peut pas ouvrir. Il peut ouvrir ? Ouais, mais j'ai pas envie de le sacrifier. Non, j'aurais pas la range. Non, je pense que j'aurais pas la range. Non, j'aurais pas la range. Tu sais que la range elle est vraiment légère. Hein. Je l'ai pas. Non, je pense que le play, c'est faire rentrer Goliath. Mais du coup, pour faire rentrer Goliath, je dois être vraiment loin. En fait, je dois faire comme ça. En plus, avec la vision, c'est parfait. Là, tu vois, je peux pas switcher avec le chien. Et... Dès qu'il rentre. Laisse-moi sortir! Oh, il m'a pas fait. Il m'a pas laissé sortir! Il m'a pas laissé sortir! Trouver, hein. Je jure c'est pas le chien frère. Et après oui ça a l'air d'être un peu du brute force. Il faut que je regarde s'il y a un interact possible. Après maintenant la porte elle est ouverte donc je pourrais limite
Vas-y, dès que je meurs, pour la prochaine, j'irai voir la salle 11 sans avoir la pression de Goliath. Parce que du coup, je pourrais... Non, je pense pas que tu puisses tirer sur le bouton. Ce serait trop... Ce serait trop brute force. Attends, c'est quoi l'intégral? Ok, Alan, bien joué. Putain. En fait, ça te bloque, le bâtard. Ouais, en fait, ça se ferme instant. En fait, là, tu contiennes, mais... Là, tu vois, c'est tellement lent. Là, je peux pas... Tu sais que là, je peux pas switch. En fait, je peux pas switch avec le chien, parce que... Tu peux pas switch avec le chien quand il a peur. En fait, quand tu... Quand le chien a peur, tu ne peux pas switch. Et c'est pour ça que j'ai essayé en boucle de switch avec le chien, mais il veut pas, frère. Et je peux pas envoyer le chien à ma place. Genre même au début, avant de rentrer, je peux pas envoyer mon chien. C'est de la protection animale, je pense. C'est en mode, tu peux pas envoyer ton chien au bon char. Attends, mais venez, on va dans le... Je vais dans la 11. Je vais dans la 11. Sans Goliath. Pour voir. Je vais tester si je peux tirer sur le bouton. En vrai, si on avait un chat, je pense qu'il accepterait. Hein. Malheureusement, bon, Selbit est Timichir, mais... Je pense que si on avait un chat, il pouvait avoir un Goliath, mais bon... Du coup, bon, on n'a pas les cristaux. Ah ben oui, on peut pas parce qu'il n'y a pas le courant, putain. Est-ce qu'il y a un truc? Je peux interagir avec rien. En fait, la salle est vide. La salle, elle est là juste pour garder la cigoule rouge. La salle est vide. Elle est là juste pour garder le Goliath. Lumière bleue. Lumière bleue donne rien. Ah, tu peux pas. La porte s'est fermée, hein. La porte se ferme trop vite. En fait, la porte se ferme beaucoup trop vite. Là, elle se ferme. Là, je réappuie. Attends. Attends. Là, la porte, elle est ouverte. Goya 30. Je fais ça, ça se ferme instant. Ouais, c'est impossible. C'est impossible. Si je fais ça... Non, impossible. Je peux pas viser. J'allais relire le plan. En fait, faut que j'aille relire les explications sur comment ils veulent qu'on tue la bête. Après, ouais, il y a peut-être les boîtes à casser aussi. Non, elles sont pas cassées. Qu'est-ce qui casse pas? Ouais, je sais pas.
mais frère, mais oui, mais c'est ça. Et oui, oui, en fait, oui, il faut juste lui fermer la porte dessus, il n'y a aucune autre possibilité. En fait, oui, tu lui fermes la porte dessus, il est mort, parce que la porte, elle ferme instant, et elle se réouvre très lentement. C'est ça, en vrai. C'est-à-dire qu'en fait, le play... Mais le truc, c'est que c'est très dur, parce que du coup... Et en plus, ouais, il y a du sang sur la porte. Mais en fait, c'est dur, parce que du coup, je dois le faire au son. Parce que quand t'es en 3D, tu le vois pas arriver. Ouah, c'est dur. Vas-y, je vais tenter, hein. Je pense que c'est le play. Hein. Ça m'a l'air d'être vraiment un bon truc. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Parti. Une porte pour l'histoire. Et... En fait, le truc, c'est que, ouais, ils arrêtent pas de dire qu'on peut le contain et pas le tuer. Et qu'on doit le contain. Donc, techniquement, il y a un monde où c'est pas ça. Mais, j'ai cette idée en tête, donc j'ai pas envie d'abandonner. Ah, le chien est dur à... J'avoue que le chien est dur à utiliser. Peut-être qu'on... Il sera plus utile dans la suite du jeu. Mais pour l'instant, c'est très très dur. Parce que je te jure que le nombre de fois que je tab pour que je vois si le chien est utile et il marche pas... C'est... Allez. Ok. Donc la porte est ouverte, donc je dois lui refermer la porte dessus. Et en fait, je le vois pas arriver. Quoi, genre là, si j'essaye d'envoyer mon chien... Ouais, T'as vu la range de mon chien? Ok. Donc il faut que j'attende. Il faut que j'écoute Goliath. Ah ouais, c'est trop dur. C'est tellement dur. En fait, tu peux pas. C'est pas comme ça. Le truc, c'est comment. C'est impossible que ce soit ça. C'est trop. Je te jure, c'est trop dur. C'est techniquement beaucoup trop dur. Y'a pas d'info, y'a pas de... Il dit quoi, lui? If anything conceals the answer to this place, it must be that. Attends... So... About that experiment to power up the eye that you asked me to do... Attends, juste... Non, on peut pas tirer sur l'interrupteur, j'ai essayé. Demandez à Agatha. Agatha, elle peut pas me donner une info sur le Goliath? Ouais, elle donne pas d'infos. Retourner dans la 6, ouais. Peut-être retourner dans la 6 pour lire ce qu'il y avait dans la 6, parce que j'ai pas tout lu. Parce que l'emergency room, ça peut être bien, et faut que je retourne dans l'autre où il y avait la matrice, là. Try to activate, oui voilà, bon ça, ouais. Ça, c'était le truc pour voir le code. Il y avait une lettre. Et il disait, ah non, mais là, il gave up trying to find a solution. I gave up trying to find a solution to lure Goliath into the containment zone and get out of there in time. Putain, mais tout est écrit, frère. Tu veux entendre? I know you wanted to test that crack radio from the graveyard to see if it has any effect here. But we can't keep waiting for Amy. I don't see how déjà vu could have been, we can't proceed more. The only way would be if I could teleport out while the door is closing, that's impossible. So I will trust Callisto's plan. I will bring the explosive, Ok.
Donc il dit que ça sert à rien d'essayer, tu peux pas te téléporter. Il y a pas un truc me... Des explosifs, mais comment? Ah ouais, on a pas d'explosifs, frère. En fait, les explosifs, on a vu les barils. Ça veut dire qu'on tire au flingue dedans? Mais on peut pas tirer au flingue dedans parce que ça veut dire... En fait, on ne peut pas trouver un truc qui fait que je dois être dans la salle. Parce que du coup, si je suis dans la salle, je suis mort, je peux pas m'en sortir. Y'a rien au dos, je crois. Ouais, y'a rien au dos, je peux pas tourner. Oh, c'est trop bizarre. J'essaie de tourner, mais non, je crois pas que je peux. Ah, si, putain. It's hard having to do a letter specialist. I don't know if I told you, the blue beast put a top line address to the vein. No, I don't want to do this. Bizarre. Il parle d'une radio, genre. Mais elle est où la radio? From the graveyard. En fait, c'est ça la solution. Parce que dans la lettre, il dit on pourrait tenter ça, mais nous, on le fait pas parce que c'est trop risqué. Sauf que nous, c'est pas risqué. Là, on est chill. Et surtout que c'est un jeu vidéo, on peut mourir plein de fois. Mais je pense que, ouais, il faut aller au graveyard. Graveyard, c'est quoi là? C'est graveyard, c'est cimetière en anglais, ça. Oui, il faut trouver un cimetière. Et c'est pour ça qu'il faut s'en aller. C'est au début. Et ouais, le cimetière, c'est le début. Ah, c'est ça. Bah, retour favela, frère. Retour favela. Putain, ça fait 7 heures que je joue au jeu. Non, mais tu sais que c'est une folie, hein. C'est une folie que je joue autant à un jeu comme ça. Non, c'est... Bon, vas-y, je me stoppe dans une demi-heure, je pense. Ouais, ça passe vraiment vite. Ah, c'est ça, le bouffon. Ça, le zombie qu'on devait tuer... Il faut trouver le cimetière. Une radio craquée au cimetière. Là, s'il y a des infos là. Bien. Ah, mais en plus, vous voyez comment le 5 il était avec le. Ouais, c'était trop. C'était tellement bien expliqué. C'était tellement bien expliqué. Merci Macron, trouve-moi le fion. Ouais, ça, toujours un plaisir. 29e mois. 29e mois. Containment zone, how to enter Goliath. Voilà, problème must exist in time after activity from the inside. But how? Report outside, case to motion, something about the graveyard radio to try and solve this. Voilà, putain, c'est graveyard radio. C'est où le graveyard? Maintenant il faut s'enfuir, mais... Ah oui, merde, j'ai pas eu la fin. J'ai eu la fin, attends. Ask
Theo to Brigitte's backpack. Est-ce qu'il faut pas... Théo quoi? En fait, il faut trouver le backpack. Maintenant, il faut trouver le backpack. Parce que ça se trouve, il n'est pas au graveyard, il est quelque part là quoi. C'était mon rêve d'avoir le backpack ici. Attends. Y a pas un backpack Attends, mais ouais. Attends. Attends. Pas un backpack là dans la salle bizarre sur la 7. Je crois que c'est attends. On va aller voir. À la radio là. Là on est au 7 là. Là c'est 6. Village tourne. Et là c'est le 7. Tellement pas le 7, je me souviens plus. Attends. Là c'est la salle bizarre. Là c'est le 3. Donc ça veut dire que c'est en bas pour le 7. Ah, c'est tellement dur de pas avoir de map. Et du coup c'est droite là. Là du coup c'est 6. C'est là. J'ai jamais passé par là. Il y avait le mob tout à l'heure. 9. Wesh du père. 8, ok. Et 7. C'est vraiment un backpack ça en plus hein. Là il s'est développé une grimoire pour des styles. Il style la meilleure, t'as mis de thème, tu as bien tiré un terrorisme. C'est le bon ingrédient, je veux que tu aies même si c'est des éditeurs. Il y en a few, Théo en soit plus à de cave ou de construction de domaine général, ça je dois aller tout sec. Et où Théo, mec? Et où Théo? La radio! Énergie contrôle. Containment zone password. Putain, c'est tous des infos qu'on aurait pu avoir. C'est tous des infos qu'on a connues tout seul. Goliath, ah bah putain. Agatha, I just found out that the cave has a huge problem. A 10 feet high problem full of teeth called Goliath. Wait, isn't that the name of one of the members of the Straw family? Yeah. From what I've seen, it must be him. Mais il y a trop un monde où Théo c'est le mob qui court. Mais il y a vraiment un monde où le mob qui court c'est Théo. Genre le mob qui court dans le truc là.
Ce serait un peu bizarre. It seems that somehow. Holy f. But yeah, blood creatures usually lose their sight. So he's probably. Presumably, he should be. Everything here is a bit. And sometimes, it feels like he knows. Hmm. So he could try looking for something about the big guy. They must have learned something about. Ouais, bon, de toute façon, on n'a pas d'infos sur ça. Ça doit être lui. En vrai, ça doit être lui à 100%. Et du coup, il faut que j'envoie mon chien parce que c'est celui qui court. Oswald, I knew you have the girl. Pour être j'ai l'expérience. Place d'ailleurs un SP. Ok. Ok, donc là on est au 7. Tu sais qu'il y a vraiment un monde. Ouais, il y a vraiment un monde où c'est lui, frère. Il y a vraiment un monde où c'est lui. Après, là, c'est la 8. Dans cette salle où il court, le bouffon. Oh, je sais plus c'est dans laquelle. Trop grand, c'est le beat ton jeu. Oh. C'est la 3. Contrôle room, on est à la 5, ouais. C'est la 3 qui est ici. Ah ouais non. Oh, je déteste les trucs où il faut s'orienter. Je ne suis pas quelqu'un qui m'oriente. J'utilise des GPS, j'utilise Plans sur Google Maps. Attends. Et... Merde, j'ai oublié, putain. J'avais oublié. Okay. Oh, il a spawn ce chien. Oh, 3, c'est juste à gauche. Hein. Vas-y, tue-moi. Ok, il est là. Je l'entends en plus. En fait, il faut le chase. Il est où? Il est parti. Mais c'est pas ça, ça doit être trop compliqué. Tellement pas ça. C'est tellement pas ça. C'est sorti. Ça me semble. Ça doit être la tête de Théo, ça. Good lights with panorama light. Flashlight crystals. Mobile crystal tournage. Oh putain.
Bah ouais, il y a une tête de Théo, frère, il doit être là, mais... En fait, c'est pas là, en fait, c'est... C'est la radio, elle doit être quelque part dans le graveyard, mais... Fatigué pour réfléchir, là. Oh, oh, il le sent. Donne la patte. Donne la patte. La patte. Il est où? En fait, j'arrive pas à sortir depuis tout à l'heure et je pense que la solution est ici. Je pense que la solution est ici, elle est pas autre part. Voilà. Et des craintifs. À droite. Et mais on est sur des Splinter Cell. Et où, mec? Le tour de la Terre. Mais je vais jamais pouvoir le rattraper. Il fait que courir. Ah ouais, en fait, ouais, de toute façon, que je sneak ou je sneak pas, il... T'es où? Mais de toute façon, faut le coincer jusqu'à que... Soit dans une... Soit dans un cul-de-sac, c'est vrai. Incroyable. I think this flashlight was stuck in the creature. It's definitely one of the Order's flashlights, just like mine. Okay. But this one is custom made. There's a crystal on the lens? Okay. Yes, Big Head. This might be made for something else. If this thing is beaming crystal light, then it won't be of much use here in the cave. But it might be good to give it a go in other places. Whenever I stop by the underground, I'll let Agatha and Samuel take a look. Okay. Donc en fait, c'est trop intéressant.
quand t'es pas ici, parce que du coup, ça te débloque tout dans les autres endroits. Et du coup, il faut aller... Il faut aller... Ouais, parce que ouais, les recherches de Théo... La recherche de Théo, elle disait ça. Mais du coup, ça veut dire que... Il faut aller au graveyard et qu'on n'aurait pas trouvé la radio custom sans le truc... I'm recording this for myself. Ah ouais, c'est ça, tout à l'heure. Ouais, c'est ça, tout à l'heure. Ok. Donc là, on l'a fumé, lui. Non, mais du coup, c'est trop important de fumer les mobs. Parce qu'on s'en rendait pas compte, mais... Ah, et au début du jeu, j'ai dit... Non, c'est trop dommage que quand on fume des mobs, on n'a pas de loot. Je te jure, hein. Si le jeu était connu de fou en France, hein, t'aurais 50 personnes qui auraient fait... Qui aurait écrit RIN dans le chat. J'aurais mis bien. Vraiment. Ça m'aurait mis très très bien. Ah. Bon bah vas-y hein. Graveyard, mais comment y aller frère? Le truc c'est comment y aller. Est-ce que... Alors, en fait oui c'est à l'extérieur mais déjà je sais même pas comment remonter. Je me souviens même plus comment faut remonter. Faut aller au 1 du coup j'imagine. Ah mais je suis con, j'aurais pu aller... Ouais, je peux prendre la trappe quoi. J'ai oublié. Non, ça marche pas. Le mec qui va tenter les... C'est quoi le code de tout à l'heure? Je vais noter. 1, 3, 4, 5, 9. Merde. Ah, ça aurait pu. I need to show you something. Okay. En fait, on dirait trop que tu sais, les lumières, c'est peut-être la lumière que tu... Là, regarde, là, c'est blanc. C'est intéressant que les lumières soient par rapport à la lumière que t'as. Ouais, après, ouais. Faut que je vais être full lumière verte là. Graveyard. Pas marqué graveyard sur un panneau, on aurait vu le plus cher. Je vais suivre le sentier. Graveyard. Belle cave.
Mon rêve le plus cher. Mon rêve le plus cher, Samuel, on a du travail. Samuel, on a du travail. On a récupéré un objet scripté. Enfin, un objet buggé qui te permet de faire l'énigme trop stylée tout à l'heure. Samuel, on a du taf. Merde. Cathédrale. Oh. Toujours pas allé à la cathédrale. Strange. It looks like it's blocked. I guess it needs to be opened from the inside. And there's no way for you to get through here, Big Nose. Let's not waste time here. We'd better focus on the rest of the perimeter. Ouais. Ouais, directement ils te disent... Directement ils te disent bon. Plus tard. Ils disent directement bon plus tard. Et... ça peut être le graveyard. J'avoue que le seul truc dans le jeu qui me frustre un peu, c'est le fait que je trouve le personnage est lent. Mais c'est peut-être que je suis trop hyperactif. Peut-être ça. Là, je pense. En fait, la cathédrale, on peut pas y aller, donc... F. Après, oui, c'est vrai. En fait, ce serait marqué graveyard. Ça a l'air d'être tellement important. Parce que à gauche... il y a la cathédrale. À droite, il y a la cathédrale, donc à gauche. Ah, vraiment une allure de cimetière, ça, par contre. C'est la cathédrale, là. Trop bizarre. Et où ce connard de cimetière? Oh, perdu, hein. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Apparemment, normalement, il y avait une map, mais elle est buggée, du coup, ils l'ont re... oh, cette merde. Oh, il prend pas de dégâts, le frère. Thunder. Est-ce que je suis... mais je me suis perdu. Ah ouais? Euh...
le jeu. Bugué ou... Ok. Oula. Oula. Oula, oula. Qu'est-ce que c'est que cette merde? New Lupi dialogue là-bas. Cette zone de dingue. All right, we're rolling. Now, let's see that armor of yours, shall we? Knock yourself out. Hey, Oswald, I know you'll get mad, but this is important. Can you take a look at the logo? That damn office is making my boy weirder and weirder. You're kidding, right? You just got your ass mangled after that damn accident, and you're still more worried about your son than your own self? George, you need to watch your ass too, all right? You know I would do anything for my son. What'd you say? Hold on. I think this is... Okay, whoa, crap. So sorry. There, it fit. Did it hurt too much? No, not a bit. It's all right. Quit your Rambo act, man. You nearly passed out. There, it's done. Now I won't hurt you whenever you need to take your arm off to do your research. It's not really for my research. I mostly use it to remember how to get into my office anyway. I guess that age is finally catching c'est up with totally me. Autre storyline. But at least I'll give you a good excuse to come and see me, right? It's been so long since I've seen anyone outside this castle. Parce que du coup, je sais pas. C'est que j'ai aucune idée de comment revenir au spawn. It's hard to tell in here. I know, right? Mais bon. I see. In the cave, it's been a while since we last saw pretty much anything. Ok. Non. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être dans 30 ans. Hein. J'ai mes tours distries going too fast. Je vais going too fast pour l'équipement. M doesn't work. Oh putain. Outer Wilds. Je m'arrête à 4h, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Juste que j'essaie de faire coïncider pour que les deux. Je fasse coïncider pour que les deux soient au même endroit. Attends. Je les fasse coïncider. Merde, c'est trop dur.
Oh mais... Que c'est que cette merde? Il va me... Agent Diogo Likes, reporting some results on the ooze. Ooze? Lucky for me, at least someone from the Strock family seemed to use their brain. I think I found everything I need to know about this Yuri character and his spiral castle. He was very fond of writing down his theories, so it wasn't very difficult to understand about this source. Now at least I know where all this ooze came from. Why there were so many people disappearing here before the order arrived. But I still need to analyze the temporal distortion this ooze can cause. And someone needs to take care of these skeletons soon. Why of all people did we get the area where the creatures don't die? By the way, it took my dad losing his goddamn arm for them to finally start listening to me. I told them 1,000 times not to point those lights at the tyrant. I showed them what I found in the anachronic device in my lab. But it seems everyone here likes to be stubborn like my dad. It was obvious he was going to destroy everything with the light effects. Hey, kid. Well, yeah, can't you see that? It's just that Oswald is here and he just checked up on me. Oswald, don't you want him to take a look at you? This again? I already told you that I don't need a doctor. I'm just tired. And I can't stop working now. Otherwise, nobody will solve this thing. But soon. Holy shit! If I do this checkup, will you at least leave me alone for the rest of the day? Attends, apparemment il y a le jeu a été update. Attends, mais oh, ça marche pas le... la touche pour les clous. Ah si, putain. Wow, c'est tellement grand. En fait, il faut appuyer sur quoi? Attends. Attends, je vais close et je vais mettre à jour. Je crois que c'est qu'il est déjà 3h24, c'est un peu du trolling là. Putain, c'est... Je crois que c'est la première fois que je me mets dans un tunnel aussi longtemps dans un jeu d'énigme. Oh. Hop les...